Ok, Freestyle TV, il est 11h30 là, on est le 30. On est jeudi 30 décembre. Je vous montre mon squat parce que l'expulsion est prévue pour juste après, hein, juste en début d'année. Donc je pense là, jeudi, vendredi, samedi, je pense d'ici lundi, mardi. Ils aiment bien le lundi matin. Donc c'est possible que... Enfin voilà, c'est sur ordre du préfet, hein. Donc bon, l'huissier m'avait fait comprendre qu'il y avait la trêve hivernale. C'est vrai que j'ai regardé la loi Elan, hein, donc en fait bon, mon cas ne rentre pas du tout dans le cadre de la loi Elan, parce que c'est pour les domiciles et puis les résidences secondaires avant 48 heures. Bon, puis là c'était vraiment pas une résidence secondaire. Il faut savoir que dans la loi française, occuper un logement vacant, donc logement vacant, c'est pas le domicile de quelqu'un, hein. C'est un logement qui est vide comme ça, c'est pas un délit. Et bon, et donc vraiment, s'il fallait m'expulser en hiver, il aurait fallu que le juge le stipule sur le lors du procès, et puis il faut une bonne raison. Hein. Et donc, alors que là, on voit bien, hein, ils ont attendu que je nettoie tout, que je refasse le toit, que je sauve la maison, et pour me réclamer 6000 euros. Du coup, en plus, j'ai mal réagi sur un clerc de huissier, je lui ai mis un coup de pied dans sa voiture, du coup, je passe le 14 pour menace de mort, parce que j'ai hurlé, j'ai proféré en plus des insultes, donc je passe le 14 pour menace de mort, ils veulent me mettre à la rue juste avant, sans me reloger. Donc en fait, le préfet a écrit à l'assistante sociale, qui m'a envoyé un courrier à l'adresse, mais elle n'est jamais arrivée, hein, parce que la poste, ils savent pas me trouver. Et puis qui lui dit de s'occuper de moi. Donc elle me propose une liste d'attente sur un foyer. Donc c'est un foyer au centre-ville, Sésame, où j'y étais déjà en 2015. Et où les chiens sont dans une cage en fait. Et puis il n'y a pas de place. Hein, donc ça sera une liste d'attente. Donc il est vraiment question de me mettre à la rue. Voilà. Dès le début de l'année. En pleine crise Covid. Bon après. Voilà, moi c'est pas ça qui me... Bon, où le masque va être obligatoire dans la rue. Il paraît que là c'est une nouvelle mesure, plus d'autres, hein. Bon voilà, avec ce pass vaccinal. Donc voilà où on en est, hein. Là c'est imminent. J'ai pas fait de courrier vraiment explicite pour l'instant. Je voulais faire un courrier un peu global qui s'adresse en même temps, comme je fais à chaque fois en fait, hein, j'envoie une copie à la gendarmerie, à la mairie, à l'ordre des avocats, au tribunal, au TGI, et puis bon bah là l'huissier en question, hein, c'est ce que je fais la plupart du temps. Et après j'aurais pu aussi envoyer à la médiatrice de Radio France, au Canard Enchaîné, tout ça, mais bon, en fait moi, je fais une pause, je vais traverser la route. Ok, donc en fait, bon, moi je m'aperçois de toute façon que mon petit cas personnel, enfin, c'est bien, on est face à je suis face à un problème qui dépasse de loin mon cas personnel. J'ai partagé une série de podcasts de 2014 d'Edgar Morin sur France Culture. Bon voilà, je le répète souvent, hein, que j'ai finalisé sa thèse, hein, c'est-à-dire que lui, il a élaboré un paradigme sur 6 volumes comme ça pendant des années, plus de 20 ans. Et pour dépasser le cartésianisme, ça a rencontré très peu de succès en France. Bon là, il a été décoré de la Légion d'honneur cet été, bon voilà, pour ses 100 ans, mais on voit bien que j'ai bien vu que les universitaires, n'ont pas du tout intégré la notion de complexité. Voilà, celui qui l'a mieux intégré, enfin dans tous les discours que j'entends, voilà, c'est le grand maître du Grand Orient de France, lui il a bien intégré la complexité. Donc c'est vrai que ça s'adressait pas mal aussi aux chefs d'entreprise, au monde de l'entreprise, hein, cette notion de complexité pendant des années, puisque c'est lié à la cybernétique, à la systémique, hein, tout ça, donc ça concerne vraiment le monde un peu de l'industrie et du management. Bref, moi ça m'a pas empêché justement d'aller creuser dedans. Et donc là en fait on est face à un problème
Bon, moi, c'est voilà, c'est qui me dépasse vraiment, enfin, qui est d'envergure nationale, voire même internationale, hein. Ce problème de crise sanitaire. Donc, sans parler de dictature, bon, pff. Moi, je pense. Donc, voilà comment j'interprète plutôt le truc de cette manière. C'est en fait, c'est tous les signes sont là pour annoncer. Bon, c'est vrai que on va droit vers la guerre. Hein, c'est gros comme une maison. Donc là, personne n'en parle. Hein. Ou alors c'est sous-jacent. Bon, voilà, une espèce d'angoisse comme ça, l'attente où on essaye de se battre, on essaye de trouver des solutions. Là, j'ai vu les maires qui ont fait avec les élus, qui essayent de faire un espèce de voilà un réseau national pour empêcher. Mais il faut comprendre que si le processus est en cours et qu'il se déroule au niveau international, hein, depuis 20 ans il est en cours, donc du coup c'est difficile de voilà, hein, déjà en 2005 voilà, hein, notre premier ministre il était déjà affilié à McKinsey, au ministère de la Santé, hein, sous Xavier Bertrand, et tout était en place. Donc là, on voit bien, ça s'accélère tellement, et puis c'est tellement gros, quoi, au moment où on ferme des lits d'hôpitaux, au moment où il y a une pleine crise Covid. Bon, de toute façon, le message est clair, c'est de dire en fait que la fonction publique coûte cher, et qu'en fait, bah voilà, les hôpitaux privés, il y en a plein en France, hein, qui ont été construits là ces dernières années. Donc en fait, bah tu veux te soigner, tu vas dans une clinique privée, et puis les hôpitaux publics on les ferme, quoi, hein. c'est pas je vais couper parce que j'ai entendu dans mes vidéos mon temps marcher dans l'herbe, et apparemment c'est quand même désagréable pour l'auditeur. Donc je vais traverser le champ, magnifique champ de pommiers avec des pommiers en très 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 bon état, les pauvres. Voilà, on traverse et puis on continue. Ok, on reprend. Bon, en fait, je voulais vous parler de ma calvitie, mais en fait, non, je vais pas le faire parce que le problème, c'est que j'ai vu ce que ça a donné quand j'ai publié mes maths, mes recherches philo, j'ai tout donné gratuitement, comme ça, sans droit, ni... Et en retour, bon, bah voilà, il y a eu un espèce de... soit des attaques envers moi, ou alors un silence radio, et ou alors du mépris, quoi. Et là, en fait, comme c'est une preuve que j'apporte quand je vais retrouver la totalité, hein, donc là, en fait, ça avance, ça progresse, hein, mais vraiment très, très, très doucement. C'est laborieux, hein, j'ai commencé au mois de juin, et on est en décembre, et c'est pas encore fini, hein, donc... Enfin, réellement, j'ai trouvé le truc en juillet, mi-juillet, j'ai mis un mois à comprendre. Donc on va dire, voilà, faut 6 mois, hein, vraiment. Et c'est vraiment très intense, très laborieux. Je passe des heures et des heures et des journées entières, hein, dessus, à masser tout le temps. Donc, bon, du coup, bon, ça, on reviendra dessus, sur la découverte médicale, parce que elle est pas indépendante de mes recherches sur l'espace-temps, parce qu'en fait elle correspond vraiment à mon axiomatique déjà, le fonctionnement même de la pousse des cheveux en fait correspond à mon axiomatique, et puis aussi à la géométrie que je développe, hein, enfin que j'essaye de développer, voilà, avec une théorie des nombres. Donc bon, en fait, donc je préférerais insister plutôt. Non, Kiro, on va chercher de l'eau. Je vous emmène chercher un peu d'autres sources. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc en fait, y a un détail en fait qui me fait prendre de l'assurance aussi, qui me donne confiance en fait, malgré tous les signes de, enfin, ou les non-signes plutôt, hein, d'approbation ou de coopération, quoi. On voit bien comment je suis systématiquement mis sur la touche, quoi. Ou même c'est comme si, voilà, on me fuyait, quoi. Il y a une répulsion, quoi. En fait, bon, ça a beaucoup de sens. Ça a beaucoup de sens pour expliquer la crise qu'on traverse actuellement. Une crise de sens, quoi, en fait, hein.
une crise d'identité, même pour les non-identitaires, hein, même pour les antifas ou les anarchistes ou ceux qui combattent l'extrême droite identitaire, il y a aussi une crise d'identité à gauche, hein, vraiment. Ce courant là qui fait un peu peur à la droite, les woke, les gender studies, tout ça, c'est on peut dire que c'est une sorte d'écuelle de la gauche, quoi, qui se perd un peu en conjecture, pour expliquer donc voilà la question du genre, ou la question du colonialisme, du racisme, des choses comme ça, où on voit que ça part dans des dérives sectaires, hein, donc ça, voilà, ça fait peur à la droite. Et puis en même temps, la droite qui continue qui reste sur ses positions autoritaires, pro-libérales, pro-État, pro-sécuritarisme. Donc plus le temps passe, en fait, et plus la tension augmente, plus l'incompréhension progresse, en fait. Si on peut parler d'un progrès de l'incompréhension, c'est plutôt une régression, hein, sociale, quoi, sociétale. Donc on essaye de se réunir quand même, parce que voilà, il y a l'intelligence du cœur, il y a un courage quand même, c'est beaucoup de personnes, quoi, qui s'engagent. Mais en même temps, on voit bien que le gouvernement fait fi de tous ces mouvements ou ces engagements, voire même les stigmatise. Hein. Et donc il méprise et puis il stigmatise un petit peu les gens qui l'ouvrent un peu trop ou qui veulent. Et puis bon, il y a de la censure, tout ça, bon voilà. Et puis avec des mesures gouvernementales qui sont. Voilà, on est en guerre, hein, donc en fait il y a un conseil de défense, hein, d'après ce que j'ai compris, voilà, qui est complètement. Où en fait les décisions qui sont prises par le gouvernement concernant la crise Covid sont considérées top secret. Secret défense. Donc d'entrée de jeu, voilà, c'est une guerre bactériologique en fait, mais elle est virtuelle, hein, pour moi, je vois ça comme un entraînement. Bon, c'est le processus est en cours depuis 2 ans, mais c'est comme s'il y avait un conditionnement psychologique, hein, on se préparait donc certainement comme en 37, hein, 2 ans avant la déclaration de la guerre, hein, mondiale, enfin contre la. Il y a comme une préparation, alors qu'elle soit consciente, qu'elle soit fomentée, enfin complot, qu'il y a un complot de Bill Goldberg ou quoi, moi je me pose plus la question parce que on sait très bien que la complexité du monde, enfin on sait très bien, voilà, il y a tellement de facteurs qui se conjuguent, qui se mélangent entre eux, que bon, on peut pas non plus cibler sur un groupe particulier d'individus. Après, ou alors de. Bon voilà. Après, moi j'explique la cause vraiment d'une autre manière, hein, que les. Que le discours officiel ou la théorie conspire ou même le discours antifa, hein, c'est vraiment mon approche, elle est vraiment bon, elle est fondée, quoi, hein, et puis elle est dure, elle fonctionne, hein. Donc c'est simple, hein, c'est un nouveau paradigme donc que j'apporte, un paradigme pour le 21e siècle, qui donc on va plutôt partir là-dessus, quoi. Juste pour finir, il faut savoir que là j'ai partagé donc Edgar Morin, il y a un tracteur. Et bon, lui, il est de 1920, hein, et donc quand il en 39, il avait 19 ans, hein, et il s'est engagé dans la résistance. Voilà, c'était à l'époque, il prenait les armes, hein, pour de vrai. Donc, hop, on fait une pause. Allez, le tracteur est passé. Donc bon, je fais pas du tout d'appel à prendre les armes, hein, même si c'est inscrit dans la Marseillaise, aux armes citoyens, pas du tout, hein, ni d'appel à la violence, au contraire, moi je suis un non-violent. Et, enfin j'essaye de l'être, enfin ouais. Et ce que j'invite à faire, c'est plutôt un courage intellectuel en fait, hein, puisqu'il n'est pas question de prendre les armes et d'aller poser des bombes pour virer les nazis qui occupent le territoire. Hein. Les nazis, on voit bien que le nazisme, il est systémique. Hein, donc c'est la nation socialiste, hein, on est dans une nation socialiste. Il y a une tendance à socialiser donc globale. Hein. Le socialisme est à l'espace ce que le temps est au nationalisme. Enfin, j'ai toute une théorie comme ça. Enfin, pas toute une. Je vais essayer de vous expliquer ça après avec un schéma très simple. Un triangle espace-temps, quoi, pour vraiment vous faire comprendre ma démarche intellectuelle et puis pourquoi je me permets de dire comme ça sur Facebook que je refonde même les religions et enfin je leur redonne du sens
là où y a une guerre un peu avec le Grand Orient. Et puis même le Grand Orient, voilà, même les francs-masques, je dis que je les ai niqués, tout ça. Donc je vais essayer de vous expliquer ça un peu plus en détail. Voilà, les francs-macs et les religieux, je vous invite à être attentif à ce que je vais dire si vous voulez pas perdre vos privilèges et vos prérogatives, quoi. Bon, même si moi j'agis pas dans ce domaine-là, hein, c'est plutôt je suis du côté du peuple, hein, donc. Mais en même temps, je suis pas du tout pour un bain de sang et je suis pas pour la violence, mais pour un réel changement vraiment opératoire et vraiment une sortie de crise. Moi, ce que je cherche à faire, c'est à éviter la guerre. Hein. Parce qu'il faut comprendre que voilà, les Chinois, ils n'auront jamais la domination militaire, hein, avec les Américains et l'OTAN, tout ça. Enfin, encore qu'avec les Russes et tout ça, c'est chaud patate. Mais ils veulent pas des droits de l'homme, hein, ils en veulent pas. Ils ont bien vu qu'il y avait une faille, hein, dans les droits de l'homme. Hein. Il suffit de voir un peu l'Occident, quelle forme il a pris, hein, complètement décadent. Et puis une société divisée, où il y a de la haine systémique, quoi, un peu, hein, entre les... Et ça, les Chinois, ils peuvent pas se permettre, hein, d'aller dans ce sens-là. Ils sont plus d'un milliard, ils font un, c'est un peuple, c'est un État. Donc oui, c'est totalitaire, la Chine, hein, mais c'est un totalitarisme dans l'esprit du communisme. Alors bon, on sait, ça mène au stalinisme, à Pol Pot, tout ça, à l'extermination, mais il faut comprendre qu'il y avait un projet derrière, un projet de civilisation derrière le communisme, comme dans le libéralisme, hein, et qu'en fait on est arrivé au bout des deux, que le communisme, on voit bien qu'il s'est complètement transformé en capitalisme d'État, enfin en Chine, voilà, il a été complètement contaminé par le capitalisme, et puis à l'inverse, on voit bien que les administrations de libérales de l'Occident, elles dépendent de l'OMC, tout ça, et qui sont des organisations de type marxiste, hein, pour gérer l'État, l'espace public. Voilà. Donc voilà, hein, c'est le libéralisme est autant ce que l'espace est au communisme. Donc ça, je vais vous l'expliquer. Hein. Je vais prendre le temps, en fait, je vais reprendre mes trois hypothèses de 2012, mes trois hypothèses de départ, donc avec l'État et le capitalisme, la nature, la culture, et puis l'esprit, la matière, hein, en axiomatisant avec l'espace-temps au milieu. Et puis bon, bah là, tout s'éclaire, hein, tout prend du sens, surtout que ça allait beaucoup, 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 beaucoup plus loin, c'est allé jusqu'au fondement maths, jusqu'à une découverte médicale importante, donc voilà, c'est-à-dire que moi, en fait, bon, même si je continue, ça fait plus de 10 ans déjà que je me fais, ça fait depuis 2008, hein, que je me fais persécuter par l'État, l'État, c'est vrai que voilà, hein, c'est certainement aussi la franc-maçonnerie qui est infiltrée à l'État et qui se défend, hein, parce que, enfin, se défend, elle fait son taf, on va dire, mais quand il y a un intellectuel comme moi qui vient remettre vraiment les choses en question, bon, bah, lâche pas l'affaire, hein, parce que je suis leur ennemi, quoi, en fait, hein, c'est puisqu'ils veulent garder le pouvoir, hein, donc. Ou alors il aurait fallu que je me soumette, voilà, mais bon, c'est pas. Là, je peux pas. Pas en étant traité de cette manière, hein, c'est évident. Donc je suis traité, voilà, comme un gosse, hein, qu'on maltraite, qu'on viole, qu'on enferme, qu'on expulse. Mais bon, moi j'ai une éducation comme ça, hein, donc j'ai été éduqué de cette manière, hein, par des parents tordus, d'une famille. Moi, ça me change pas beaucoup, hein. C'est genre, dégage, t'es pas chez toi, c'est ce que j'ai entendu toute mon enfance, hein. Limite, il fallait que je paye un loyer à mes parents dès l'âge de 10 ans, tellement ils étaient proches de l'argent et du pouvoir et de la domination. Donc voilà, moi j'essaie vraiment de régler un problème systémique qui commence vraiment même à l'intérieur des familles, hein. C'est l'institution des institutions, hein. Donc c'est la première des institutions, c'est la famille, et puis même dans le couple, hein, on voit bien la violence conjugale qu'il y a aujourd'hui dans nos pays, enfin en France, et voilà, le problème, les couples, hein, qui n'arrivent pas à tenir ensemble, les problèmes de... Donc reprendre mes hypothèses de départ, et puis trouver le lien justement avec...
avec tout, enfin essayer de construire un peu des argumentaires qui donnent du sens à notre crise actuelle, là où on voit bien qu'il y a une espèce de dialogue de sourds, quoi, où chacun en fait se retranche un petit peu dans son se replie sur ses positions, quoi. Et bon, c'est ça, hein, quand il y a un impensé, en fait, j'ai appelé ça l'impensé fondamental, hein, une espèce de... un truc qui plane au-dessus de nos têtes, bon, qui a toujours été là, hein, donc du coup, c'est pas vraiment... mais qui est en phase d'émerger, d'apparaître, hein, donc c'est la conscience de l'espace-temps en tant que fondement du tout, qui est en train d'apparaître. Donc bon, ben, les satanistes, ils peuvent appeler ça la bête, l'événement de la bête, ils disaient. Ou alors les chrétiens, ils peuvent dire le retour du Christ, ou je sais pas, ou l'archange, machin. Enfin voilà, hein, c'est, chacun peut l'interpréter à sa manière, hein, s'il est au fondement du tout. Et c'est ça que je vais essayer de vous démontrer, à quel point ce concept, il peut être polysémite, il peut être vraiment... il peut s'adapter à tout et n'importe quoi. Et en même temps, que c'est pas non plus un nuage de points complètement confus qui nous mène nulle part, et qui a vraiment une mécanique, une fonctionnalité, un sens à comprendre dans ce concept fondamental. Bon, je vais remplir les bouteilles. Il y a un voisin qui est là. Bonjour. Je vous vole un peu d'eau de source. Ça vous dérange pas, là, c'est la nature, elle va m'envoyer la facture. Elle va rajouter la taxe Veolia Nestlé et tout. Et non, ouais. Bon, ben on reprend après, on va remplir les bouteilles. Ok, ça c'est fait. Allez, on reprend. Oui, donc je voulais faire en fait un petit historique. Pas trop aller dans le détail. En fait, pour aller dans le détail, bah, je passerai par mon logiciel là avec un schéma, en m'appuyant sur les schémas que j'ai réalisés. Et puis un schéma que j'ai fait aussi spécialement pour l'occasion, très synthétique. Donc je vais essayer de faire ça cet après-midi, vous faire une vidéo bien faite. Donc là, ce que je voulais faire en fait pour finir la balade, c'est faire un petit retour, un petit historique, hein, à partir de 2011. Et puis pour que vous voyez un petit peu, vous compreniez un petit peu avec l'histoire, de toute façon en épistémologie, c'est toujours important de refaire un petit historique pour comprendre l'évolution des idées, l'évolution des sciences et de la connaissance, et comment pour interpréter comment un nouveau paradigme émerge-t-il en fait, comment il peut émerger et arriver comme ça en période de trouble. Donc bon, si on part des travaux d'Edgar Morin, donc sa méthode en 6 volumes. Il faut savoir que la systémique, elle était déjà présente, ce terme-là, déjà dès le début de l'industrialisme, en fait, hein, le saint-simonisme. On parlait déjà de système, hein, dans la nature, on parlait de système. Et puis bon, bah, effectivement, dès qu'il y a eu la cybernétique, il y a eu les premiers ordinateurs, bon, Morin, il était au bon moment, au bon endroit, aux États-Unis, là, à cette époque-là, et... voilà, il est tombé malade, donc c'est un concours de circonstances qui fait que bon, il a rencontré les bonnes personnes aussi, Feynman, etc. Donc il a essayé de compléter ou de pousser le cartésianisme un petit peu dans ses retranchements pour construire un paradigme qui soit adapté à l'époque, quoi, en fait, un problème de l'informatique, en fait, là, un problème de l'intelligence artificielle. Bonjour. Donc voilà, il faut voir ça un peu dans la durée, de façon étalée. Attends, il y a un chien qui aboie, je reprends. Oui, donc si on fait une comparaison avec le cartésianisme, il faut resituer donc dans le contexte de l'époque. Il y avait donc Newton, un peu avant, donc il y a eu l'encyclopédie. Encore avant, il y a eu la Pléiade, donc c'est la Renaissance, hein, les Lumières. Donc la Renaissance, le siècle des Lumières, et puis bah, du coup bah, Descartes qui parvient à mesurer la lumière, pas que lui, hein, d'autres aussi, bah, Newton aussi je crois, et puis bon. Et donc en plus, par rapport à Newton, voilà, Descartes, lui, il faisait tout un travail aussi métaphysique, hein, sur la question de Dieu, sur le matérialisme aussi, hein, puisqu'il comparait l'homme à un automate. C'était l'époque des premiers automates, justement.
enfin des premiers, voilà, des horloges hein, qu'on mettait dans les églises, des automates. Donc où ils se questionnaient bon, sur le corps humain, hein, le siège de l'âme aussi, la glande pinéale, tout ça, ils se posaient beaucoup de questions. Et je crois qu'en plus de son vivant, il ne voulait pas publier hein, les... parce qu'il avait peur pour sa vie, hein, carrément, hein, de... où ça s'opposait trop à la religion, à la doxa. Hein. Donc ça a mis quand même, voilà, avant de se construire, ce cartésianisme, il s'est fait en plusieurs décennies, quoi, en fait. Hein. Voire même en un siècle, hein. Enfin voilà, ça a mis beaucoup de temps. Bon, désormais, bon, je me dis, non, on est dans un monde, voilà, quand même, il y a beaucoup d'informations, de communication, on est connecté. Donc ça pourrait aller un peu plus vite que, voilà, on va pas attendre 2050, surtout qu'il y a une urgence, il y a l'urgence climatique. Hein. Moi, c'est surtout ça qui me fait... Bon, puis cette menace de guerre hein, qui plane au-dessus de nos têtes, hein, vraiment, ou de pandémie, enfin d'une grosse crise liée aux problèmes climatiques, hein, c'est certain. Donc du coup, je me dis, bon, voilà, si on se donne 50 ans, voilà, c'est la complexité, elle a émergé un petit peu dans les années 60, 70. Voilà, on est en 2020, bon, ça suffit hein, pour faire émerger. Et puis bon, il faut voir aussi tout le contexte politique aussi. Contexte social et politique. Donc on sortait du Moyen-Âge, à l'époque de Descartes. Et oh là là, c'est bon quoi, la traceur. Donc ouais, on sortait du Moyen-Âge, de l'époque de... Donc... aristotélicienne en fait, ou Aristote, c'était lui aussi, c'était tout un système, hein, la connaissance d'Aristote, enfin la philosophie d'Aristote, c'était un système complet. Et bon, donc voilà, ça nous a conduit à une modernité en fait, hein, le début de la modernité, quoi. On peut le mettre son origine de la modernité avec les premières, les automates, et puis après très rapidement les premières industries, quoi, en fait. Donc c'est comme ça qu'on peut... On peut définir le commencement de la modernité, quoi, avec la connaissance de la lumière, hein, le luxe, enfin la reconnaissance, le fait de, bon, voilà, d'utiliser les nombres complexes pour mesurer l'inclinaison lumineuse. Bon, je suis pas un pro, encore un trop, mais bon, voilà. En ce moment, de toute façon, je peux pas être dans les sciences, hein, j'ai vraiment pas la tête à ça. Mais c'est pas l'envie qui m'en manque. Bref, et donc du coup, là, si on retranscrit à notre époque, on peut se dire bah, que la modernité, puisqu'on parlait aussi de l'humain post-moderne, là, on parle de post-humain, dans le transhumanisme. Oh, c'est pas vrai, hein, on peut pas être tranquille 5 minutes. Bon, c'est bon, tant pis, je continue. Oui, bah tiens, voilà, je parlais du siècle des Lumières, et là, on a deux agents qui sont en train de bidouiller le câble. Bonjour. Et non, c'est la fibre. C'est la fibre. Hein. Donc, voilà, ils parlent de laser et tout, la fibre, bon, voilà. Donc, si on revient, donc on s'imagine dans le petit atelier de René Descartes ou d'Isaac Newton qui sont en train de mesurer la lumière en se posant des questions, en disant qu'est-ce que c'est que cette orthogonalité, le prisme, comme ça, on arrive à décomposer les couleurs, ils se demandaient comme ça. Et puis bah aujourd'hui, voilà, 2021, on installe la fibre de partout, il y a des lasers de tous les côtés, on arrive à refroidir la matière, descendre à 10 puissance moins 15, enfin observer, prendre des photos de l'atome à des échelles vraiment, bon voilà. Donc il y a vraiment une étape de franchie très importante. Et tout comme au XVIIe siècle où il y avait une étape de franchie, c'est-à-dire qu'on sortait de l'obscurantisme en fait, hein, et de ce système aristotélicien qui finissait par perdre son sens, quoi, en fait. Hein, on voyait bien les épicycles, les trucs comme ça. Bon, il y avait des trucs un peu trop graveleux, quoi, un peu à côté de la plaque, quoi, ou même la notion de... Bon, il y a Galilée aussi, hein, la gravité, enfin Bruno, Copernic, Galilée, c'est surtout ça, hein, la révolution, elle se situe aussi au niveau cosmologique. Donc il a fallu à l'époque, au XVIIe siècle, faire une grosse remise en question, hein, à tous les niveaux, quoi, hein, de ce modèle moyenâgeux.
pour entrer dans une ère de modernité. Il a fallu vraiment faire un... Et puis jusqu'aux révolutions, voilà. Et puis des guerres, hein, tout ça. Donc du coup, ben, là, on peut voir un peu la même chose. Hein, c'est-à-dire que le monde, il est plongé dans un espèce de chaos, comme ça. Et puis avec une tension dure, un réactionnaire, quoi, en fait. Un retour... Attali parlait... j'ai toujours retenu cette phrase d'Attali, hein, où il parlait, dès les années 80, il parlait d'un féodalisme moderne. Hein, c'est-à-dire qu'on remplace les seigneurs par des capitaines d'industrie ou des, voilà, hein, ou des riches millionnaires qui se sont enrichis comme ça en bourse ou quoi. Et puis après, les serfs, bah, c'est les gens voilà, hein, au RSA, Cotorep, enfin ceux qui travaillent là, au SMIC et tout. Bon, ben bah, voilà, eux, c'est les serfs. Et puis toujours ce modèle de la République de Platon, avec voilà, hein, bon ben. Bah, il y a un truc universel, hein, derrière tout ça. Et c'est ça que moi, c'est vers ça que j'essaye de vous amener. Hein, vers une vérité qui n'en est pas vraiment une, parce que c'est effectivement si le temps est la cause du mouvement de l'espace, que tout est en mouvement tout le temps, tout tourne, donc c'est difficile, hein, de la saisir, la vérité. Mais justement, si on part de ce principe là où on fondamentalise le mouvement, c'est simplement, c'est pas obtenir une vérité vraiment statique, unique, qu'on tient dans la main, comme Aïgala, quoi, hein. Une chose est une chose parce que voilà, c'est l'adéquation entre la chose et le réel, donc un chat est un chat, ouais, bah, d'accord, super. Donc c'est comme ça qu'on a construit nos sciences, hein, quand même, jusqu'à maintenant, avec une vérité telle qu'elle, en bloc, comme ça, de manière statique, alors qu'en fait, dans la nature, rien, tout est en mouvement. Donc c'est pour ça que j'ai refondé le principe d'identité de Leibniz, quoi, hein, donc qui est à l'origine de l'addition, en fait, hein, donc de l'arithmétique classique, et donc en faisant un travail sur Leibniz. Donc ouais, je voulais faire un historique de mon parcours. Je suis parti en digression là, j'ai digressé, mais c'est bien de revenir. Donc en fait, voilà, moi au départ 2011, j'étais déjà en conflit, j'écrivais, bon, j'avais déjà un squat. J'avais ouvert en fait un petit chalet en amiante sur un parking, enfin devant une ancienne usine abandonnée sur le site d'un éco-quartier, enfin un projet d'éco-quartier. Donc c'était en plus un projet écolo, donc tout le monde s'en félicitait. Et moi en fait non, j'étais déjà en train de critiquer. Donc c'est pour ça, moi on me prend pour un rebelle, un révolutionnaire, alors que je m'attaque même à mon propre camp, hein. Je vais m'en prendre aux écolos, à la gauche, même aux anarchistes, enfin m'en prendre à eux, je vais les remettre en question. Alors que bon, c'est au départ c'est peut-être mon camp, quoi. Et puis si j'étais à droite, je pense que j'aurais fait pareil, hein. J'aurais mis en question. Enfin bon, après c'est l'humain, hein. On est tous. Voilà, on n'est pas, justement, avec l'espace-temps en fondement du tout, on peut pas, et si tout est en mouvement, on peut jamais vraiment tous tomber d'accord. Mais bon, voilà, donc à l'époque, c'était les indignés, l'AZAD qui commençait à prendre, à s'implanter, hein, Notre-Dame qui prenait de l'ampleur dans la contestation, et donc ce mouvement AZAD partout, le mouvement donc des indignés, pacifistes, non-violents, hein, et qui se sont fait gazer déjà à l'époque. C'est pour ça les gilets jaunes, bon, ils sont là. Oui, bah, tous les signes étaient là, hein, déjà, hein, quand il y avait les indignés qui se mettaient par terre, qui demandaient, ils avaient une démarche vraiment pacifiste et ils se faisaient déjà gazer. C'était annonciateur de la suite, hein, des gilets jaunes et puis de Nuit debout, tout ça. Donc, je me suis dit, bon, à l'époque, je me suis dit, c'est clair, on va vers le pire, quoi, hein, ça va pas du tout s'améliorer. Hein. J'avais déjà 10 ans de militantisme derrière moi, au sein d'Attaque, donc j'avais bien compris déjà toute la stratégie du TCE, de Maastricht, tout ça, de l'Europe, j'avais déjà bien cerné, fait le tour du truc. Bon, sauf qu'à l'époque, j'étais pas trop dans les théories conspi, quoi, hein, je m'y intéressais pas trop. J'étais vraiment dans les faits, au niveau de la stratégie de l'OMC, du FMI, tout ça, et comment l'influence de l'Europe, sur nos vies en fait, et au niveau national ou même local, hein, communal, tout ça. Bon. Et puis je luttais aussi, je voyais, parce que j'étudiais la psychologie sociale, donc l'influence des médias et de la pub, hein, surtout. Et du marketing
Et je voyais, en côtoyant des jeunes, plus jeunes que moi, l'évolution aussi dans les mentalités. Et même parmi les plus vieux, quoi, hein, comment petit à petit, année après année, notre cognition s'orientait vers le marketing, en fait. Ouais, ma belle. Donc bon, on reprend parce que là il y a un chien qui a un bâton là, mais c'est pas cool de faire ça à un chien, hein. Faut pas qu'il se mette un bâton comme ça. Bref. Ok, on est à 35 minutes, j'ai toujours pas fait mon historique. Donc 2011, voilà, j'ai essayé de comprendre en fait le problème de l'anarchie, mais c'est vrai qu'à l'époque j'avais pas fait le lien avec la franc-maçonnerie, puis c'est venu au fur et à mesure. On m'avait envoyé comme ça un document franc-maçonnerie et anarchie, et puis bon, là dernièrement j'ai encore entendu le grand maître, en 2016 c'était Keller, hein, je crois il s'appelle, et bon, un ancien syndicaliste anarchiste, anarcho-syndicaliste, hein, qui était à la tête du Grand Orient, donc voilà, hein, j'ai fini par faire le lien un peu. Pourquoi justement j'étais préoccupé par cette question de l'anarchie, et puis vouloir résoudre le conflit, hein, qui opposait les anarchistes et les communistes, en fait. Enfin, Marx et Bakounine. C'était vraiment le truc qui me, au sujet de l'État, hein, s'il fallait le détruire ou s'en emparer, en fait. Et en fait, bah, du coup, bon, face au bloc libéral, j'ai résolu le problème en donnant tort aux deux, en fait, hein, l'État, c'est pas une question de... Et puis même aussi la question du capitalisme, hein, donc c'est là où je me suis rendu compte que j'avais vraiment mis le doigt sur un truc, sur une notion, comment dire... Alors on me dit que mes recherches elles dérangent, mais moi je dirais c'est carrément explosif, quoi. C'est-à-dire que quand on commence à remettre en question la notion même de capitalisme, alors qu'il y a, bon, on peut parler de dogme, hein, carrément, hein, de religion même, hein, je pense, hein, quand on prononce ce mot-là, derrière ça sous-entend tellement de mécanismes, tellement de phénomènes, que bon, on en fait une croyance, hein, complètement. Et quand on dit... Quand moi je disais à l'époque, si on associe le capitalisme... En fait, je remettais en question ce concept-là, parce que je voyais bien que dans le discours, c'était confus. C'était pas clair. Et puis bon, pareil au sujet de l'État, quand même. On avait... Bon, donc je connaissais déjà les classiques, hein, donc Rousseau, Hobbes, et puis Marx, tout ça, je connaissais quand même tout ça, et puis Bourdieu même, hein, sur l'État, les questions un petit peu, bon, et puis aussi la pensée de droite, hein, qui justement s'attaque toujours un peu à l'État, les profiteurs de l'État, quoi, on va dire, les fonctionnaires, tout ça. Une pensée libérale qui veut purger un petit peu l'appareil d'État, et puis à l'inverse, une pensée pro-État, donc où j'étais membre d'attaque, hein, donc ils défendaient la position de l'État, en fait, hein, contre une certaine barbarie capitaliste, mais sans vraiment, en la réifiant, quoi, enfin en faisant un dogme, un culte, donc je voyais bien qu'il y avait un truc, et puis bon, par rapport à mon vécu, quoi, hein, où je voyais qu'il n'y avait pas de dialogue, j'arrivais pas à dialoguer avec personne, que j'avais tendance à me faire bloquer un peu par les communistes, et puis me faire oppresser par les capitalistes. Donc j'étais, bon, c'est un peu la position du martyr, de l'anarchiste un peu martyr, qu'on prend plein la gueule. Et puis, bah, en fait, quand on se rend compte que non, en fait, voilà, tous les anarchistes étaient francs-maçons, tout ça, donc ça, bon, voilà. Et donc du coup, c'est 2011, donc je fais tout un travail comme ça, où j'essaye d'axiomatiser, ou même faut remonter en 2008, quoi. À l'époque, en fait, j'ai fait un travail entre Attaque et l'association d'Edgar Morin, l'intelligence de la pensée complexe. J'étais adhérent aux deux. Et j'étais partisan de la décroissance de gauche, quoi, une écologie politique radicale, les ZADIS, quoi, en fait, en gros. Les ZADIS, c'est... Ça dépend lesquels, mais bon, voilà, une écologie politique classique, quoi, des années 70, quoi, un peu, donc anti-nucléaire, pour le, bon, un truc de hippie, hein, comme ils disent les RG, ouais, toi, t'es un hippie, t'es un baba cool.
Et donc j'ai repris un peu ce... Et puis j'essayais de trouver je faisais des liens, je faisais des ponts, j'articulais, j'entrais en dialogue beaucoup avec le conseil scientifique d'attaque, et puis tout en discutant avec le un petit peu par mail, j'ai eu quelques échanges comme ça avec le président de l'association de Morin à l'époque. Et j'ai son nom sur le bout de la langue, mais bon voilà. Et puis Jean-Marie Haribet aussi du côté d'attaque, où bon, il y avait quelques débats. Bon, moi en fait j'avais tendance à péter, comme je suis encore aujourd'hui, hein, je pète ma gueulante, je tape une crise, et puis niveau dialogue, c'est pas facile avec moi. Mais après j'apporte, voilà, c'est-à-dire que je sais pas dialoguer, parce que voilà, j'ai tendance à être trop sensible et puis un peu voilà, explosif, un peu comme un enfant traumatisé, mais après j'apporte des éléments de réflexion voilà, précis, hein, et puis enfin précis, et puis voilà, concret quoi. Donc voilà, et donc 2011, je me suis rentré en anarchie, on va dire un petit peu, mais j'essaie vraiment de saisir avec mes outils intellectuels de la philosophie classique, hein, parce que voilà, Descartes, hein, je l'étudiais dès 98, hein, donc c'était voilà, 10 ans après. 2008, c'est ça. Voilà, j'avais 35 ans, et c'est en 2012, donc en écoutant, après je suis parti sur Deleuze, hein. C'est-à-dire que je suis sorti des classiques, j'avais vraiment fait le tour de tous les classiques, essayer de comprendre avec les classiques, Hegel, tout ça, Marx, et quand je suis arrivé donc à Deleuze, je connaissais à peu près sa pensée, mais j'avais jamais vraiment approfondi, j'avais jamais lu sa thèse. J'avais lu quelques livres de lui, mais vite fait, un peu en diagonale, même avec Guattari ou quoi. Je suis tombé sur les cours, hein, donc ça m'a beaucoup aidé, YouTube, hein, qui partageait les cours de Deleuze, quoi. Hein. Donc je me suis tapé sous tous ces cours, à l'écouter très attentivement, dans mon casque, là, en faisant mes promenades. Et puis donc j'ai bloqué sur le cours, j'ai écouté à peu près tous ces cours, et puis Spinoza, voilà. Et donc j'ai bloqué sur ce cours sur Leibniz, quoi. Où il organise un débat virtuel, en fait, entre Kant et Leibniz. Et donc c'est là où j'ai eu le déclic. Hein. Mais vraiment, ça a fait un déclic. Voilà, bon, mais c'est pas une illumination ou une révélation, parce que ça faisait bon, plus de 10 ans que j'étudiais la complexité de Morin. Et voilà, j'avais déjà tout un parcours de réflexion, déjà très 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 construit, quoi, enfin très très enrichi. Donc c'est comme si en fait, voilà, j'accumulais de l'information. Et puis il y a un moment où j'arrive face à un mur, quelque chose qui bloque, et puis je reste devant ce mur, et puis là, tout d'un coup, il se passe un événement un peu, voilà, comme une transition de phase, quoi. Et paf, on change d'état, hein. On passe à un état supérieur, enfin, ou différent. Et donc c'est ce qui s'est passé à ce moment-là, et donc j'ai dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, parce qu'il posait la question du fini et de l'infini, en fait. Et qui avait l'air d'être un problème vraiment fondamental à notre époque, et où c'était encore le cas aujourd'hui, quoi. Je le voyais bien dans le discours et tout. Donc voilà, j'ai trouvé une petite méthode pour arriver à associer le paradoxe du fini et de l'infini, hein, avec la notion d'indéfini et de définition. Comment définir l'indéfini avec l'infini et le fini, quoi, quelque chose de vraiment un peu. Et puis bah, en mettant beaucoup de la complexité, et puis bah voilà, avec Kant et Leibniz, j'en ai déduit que c'était une propriété de l'espace-temps, quoi, une propriété un peu cachée, quoi. Qui est contre-intuitif. Bon, on est rentré. On est à 3/4 d'heure. Ouais. Donc après, ce qui s'est passé, c'est que je vais essayer de continuer. Donc quand j'ai eu cette espèce de déclic, de réca, quoi, une espèce de révélation, j'ai immédiatement, vraiment, c'était quasiment
spontanée, hein, vraiment, je me suis adressé à mes profs que j'avais en 2011, parce que voilà, en 2011, en 2010, j'étais à l'université, tout en étant en squat. Et bon, c'est vrai que j'avais écrit au juge, hein, parce que j'ai fait 2 ans de procès pour me faire expulser là, de ce squat à l'époque. Et je lui ai écrit, je lui ai parlé de l'autonomie énergétique et alimentaire, et l'autosuffisance alimentaire. Et je lui disais que je faisais des recherches importantes pour l'avenir de l'humanité, dans le sens, voilà, trouver des alternatives qui fonctionnent, quoi, au problème, à la crise, quoi, mondialisation, la crise sociale, et tout, écologique et sociale. Donc, bon, toujours un peu, voilà, inspiré par Bookin, qui lui aussi était systémicien, hein, donc ça, moi, ça a été très facile de lire Bookin, hein, comme je connaissais déjà bien la complexité, et que lui, il était de cette école aussi, hein, Murray Bookin. Donc, du coup, 2012, je m'adresse à mes profs, un prof de philo, mon prof de socio et mon prof de psycho. Surtout mon prof de psycho qui m'avait déjà, dès 2001, où j'avais déjà reçu des cours sur tout ça, hein, en épistémologie, hein, sur le problème de du changement de paradigme. Donc dès 2001, j'avais des cours sur ça, et puis sur l'intelligence artificielle aussi, hein, à l'université. Hein. J'étais en psycho à l'époque, et donc en 2011, j'étais en socio. Et voilà, j'écris à mes... Et donc aucune réponse, rien, silence radio. Du coup, j'insiste un peu, je vais à la fac, j'essaye de leur... voilà, mais bon, j'étais timide, hein, et puis j'avais pas confiance en moi, hein, bon, même encore aujourd'hui, j'étais, voilà, j'étais comme je suis, et donc... Donc là, bon, c'est là où je me suis fait, c'est juste à ce moment-là aussi où je me suis fait balancer tous mes livres, hein, par le directeur de l'association qui me logeait, en fait, hein, donc il a fini par m'expulser, parce que, en fait, j'avais 1 € de loyer à payer tout le mois avec les...